Oh, yes. Thank you. Ah, Dodo! Oh, chien, que je suis content de te voir, Dodo. Je te trouve de mon goût à plein, toi. Ah, merci. Tu me fais rire tant que tu veux, puis tant que je peux, puis à force de ça, t'es belle dangereusement. Merci, Jack. Ah, t'as les yeux canards, c'est une affaire terrible. Ah oui? Donne-moi un bec à pincelle. Je m'en vais te donner un conseil. Oui. Tous les hommes que tu feras tomber avec ces beaux yeux-là, là, laisse-les à terre. Tu veux le poigner avec un franchat de France? Ben oui, voulez-vous que... voulez-vous que je vous présente? Présente-moi les deux. Oui, oui, M. Michel Drucker, le père Gédéon. Bonjour, le père Gédéon. Bonjour, venez, mon garçon. Ça me fait plaisir. Il est feluette à plein, hein? Ouais. Il est pâle terriblement. Ouais. Pour moi, ça survit de la santé à quelque chose, puis ils veulent pas nous le dire, ça connaissent pas. Ça se couche trop, puis ça dort pas assez, ces jeunesses-là. Il est blême. Oui, il est mince. Manges-tu à ta faim, toi? Non, mais c'est pas ce que... Je te trouve pâle. As-tu déjà essayé, toi, les pelules rouges pour les hommes pâles? Essaye donc ça. C'est encore meilleur que les pelules rondes pour les femmes plates. Gédéon, vous allez quand même me dire ce que vous êtes venu faire ici. Ah, ben, je suis parti de la bourse ce matin, moi, il était. Bon, alors, j'en prends mon train. J'ai vu l'heure, je ressoudrais. Il faut que j'arrête le docteur Chabot en passant, fait un appointement là. Je ressous là. Calculé de passer le premier, je t'en fous. Il y avait déjà trois, quatre vieux avant moi. J'étais obligé d'attendre deux appoints. Il y avait le père Tréflib à l'avance, qui reste en gagnant dans le deux, passer le lac, le vert du Rélie. En voyant Tréflé là, il te s'accrédit quand tu fais ici. T'as pas coutume de courir les docteurs, je me sens. T'as toujours eu bon pied, bon oeil. Ah, du Gédéon, du Gédéon, ben pas de quoi s'aigrer depuis un escousse. Je me sens feluet puis guenille de plein. Fais attention à toi, Tréflé, j'ai dit. T'es rendu à 75, j'ai dit. Tu commences à avoir du mou dans la corde à neige, là, j'ai dit. T'es rendu un or où ce qu'on arrache plus qu'on en plante, j'ai dit. J'ai dit, Tréflé, surmonte pas la nature pour rien. La vie, c'est une longue procession, j'ai dit, faut ménager nos chandelles. Faut pas brûler ça par les deux votes. Surtout que nous autres, on a de l'inquiète. Et dis-toi, Gédéon, comment tu files? Ah! Et dis-moi, je file comme une rose qui a la queue dans l'eau. Je suis encore capable de coucher avec une créature à tous les soirs, à condition qu'elle me laisse dormir tranquille. des folleries, c'est pas des folleries, je m'informe de ta santé. Il dit, qu'est-ce que t'as? Gédéon, il dit, c'est effrayant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Gédéon, il dit, c'est effrayant. Il dit, tu viens de me le dire, qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Me v'là rendu, puis il faut que je saigne un ami intime pour te faire un aveu pareil. Me v'là rendu, crétivement, il dit que je manque de capacité. Il dit, toi, tu me fais peur, toi. Ah, il dit, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça, c'est ta femme qui est frette. Il dit, tu crées? Ah, il dit, oui, ça sert à rien, nous autres, les hommes, d'avoir une bonne archette quand il n'y a pas de corde sur le violon. Tu veux, toi, tu veux, hein? Les hommes, c'est comme les contrats, il faut savoir par quel bout de poignet ça, là, comment va ça? Quand est-ce que t'as poigné, ça? Avant hier. Comment ça? Il dit, je m'en vais me coucher du long de la bonne femme. Puis rendu en dessous de la couverte. Et je lui ai dit, coudon, frénésie. Ça s'appelle frénésie, je ne sais pas pourquoi. Il dit, coudon, frénésie, me semble que depuis que tu manques de chaleur, il dit avec moi. La bonne femme a dit, je peux bien manquer de chaleur. Ça fait assez longtemps que tu me chauffes au bois mou. Pour m'en
Salut les petits gars.